Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Grande de ma joie, mesdames et messieurs, de vous présenter cette édition du journal. Bonsoir et bienvenue. Au sommaire, naufrage sous les eaux du lac Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur est arrivé sur place à Goma dimanche. Objectif, s'imprégner de la situation. Ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de comptes ce lundi. C'est une première dans l'histoire de cette juridiction de contrôle. Le chef de l'État était présent. C'est au total sept projets de loi que le ministre de Finances a réussi à faire adopter en Conseil de ministres. Quatre de ces projets concernent la modernisation de la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en RDC. On démarre ce journal par cette nouvelle. En bref, Patrick Lokala a été arrêté ce lundi dans sa résidence. Le journaliste connu pour son penchant vers l'opposition a été acheminé au parquet de la Gombe où il subit un interrogatoire. Selon ses avocats, son plaignant serait aussi un journaliste lésé par les déclarations de Patrick Lokala. Les prochaines heures vont déterminer le vrai mobile de son arrestation. Vous le savez, c'est le dimanche dernier que les trois journées de deuil national décrétées par le gouvernement au sujet du naufrage sur le lac Kivu a pris fin et c'est le même jour que le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, Jacquemaine Chabani, a atterri sur place à Goma pour une mission officielle. Il est question pour lui de s'imprégner de la situation et en tirer des conclusions qui s'imposent. Les explications, c'est tout de suite avec Lola Moussoke. Les vice-premiers ministres en charge de l'intérieur a rejoint une autre équipe gouvernementale qui s'est trouvée déjà sur place dans les cadres de la même mission. Il a été accueilli dès sa descente d'avion par sa collègue des actions humanitaires. De l'aéroport, le VPM Jacquemaine Chabani s'est tout de suite rendu au port de Kintuku, lié du drame situé dans la commune de Goma, au quartier Keshiro. Sur place, le chef de la délégation gouvernementale et patron de la sécurité a fait les constants. En même temps, il a reçu des explications sur le vrai cause de ces énièmes naufrages sur le lac Kivu qui a causé une trentaine de morts et 58 rescapés survivants. Jusqu'à présent, les bateaux MV Mardi et Sulu avec des corps coincés à son bord à environ 100 mètres de la profondeur. Envoyé du gouvernement Judith Suminwa Tuluka, a, au nom du président de la République, réconforté les habitants de la ville de Goma et les familles implorées sous les ovations frénétiques de ces derniers. Je suis venu, au nom du gouvernement de la République, compatir avec vous et renforcer l'équipe gouvernementale qui est arrivée avant-hier. Nous sommes accompagnés de la ministre des Affaires sociales et des Transports. Notre premier objectif et de trouver des moyens pour trouver nos compatriotes qui étaient au bord, qui a fait naufrage ici. Nous faisons un constat pour ceux qui ont établi un rapport sur place. Et tous allons organiser une réunion du Conseil de sécurité avec tous les responsables afin de déterminer quels sont les besoins exacts pour poursuivre nos recherches. Pour poursuivre nos recherches, c'est tout. Le gouvernement de la République dit plus que déterminé à retrouver le corps de ses compatriotes qui ont succombé à ces drames pour leur rendre les hommages dignes selon les traditions de la République démocratique du Congo.
Parlons justice à présent, la peine de mort continue à enregistrer de candidats. Trois militaires de forces armées de la République démocratique du Congo FRDC, basés à Beni au Nord Kivu, ont été frappés par cette sanction maximale dans un procès en flagrance samedi au tribunal militaire de garnison de Beni consacré au prononcé du verdict. Ils ont été reconnus coupables de vol à main armée. Détail, c'est avec Alain Goy. Après des jours de procès tenus en foraine sur l'esplanade de la mairie de Beni, Dieu merci Amando, Samy Kongo et Jonas Tambou, tous membres du 33e bataillon militaire de FRDC, ont été condamnés à mort. Ils sont reconnus coupables des faits de viol à main armée et violation des consignes militaires remontant à jeudi 3 octobre. Ces jours-là, ces soldats armés ont attaqué un établissement de transfert d'argent. Dans les quartiers Malépé de la commune de Béou, dans la ville de Beni. Ils y ont volé 2 millions de francs congolais, 2 000 dollars américains, ainsi que 3 téléphones portables utilisés pour le transfert d'argent. Leur arrestation a été possible grâce à l'intervention des jeunes du quartier et des forces de sécurité. En plus de la peine capitale, le tribunal a condamné les trois militaires à verser à la victime 15 000 dollars américains en guise de dédommagement. Les condamnés ont été mis à la disposition du ministère public pour la suite de la procédure. L'état de siège doit être levé faute de résultats. C'est l'une des motivations d'une grande manifestation le matin de ce lundi dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu. Ce mouvement provoqué par le mouvement citoyen et groupe de pression a paralysé les activités socio-économiques toute la matinée et une partie de l'après-midi. On voit cela avec Lydie Omoy. Déjà aux heures matinales, des barricades ont été visibles dans plusieurs quartiers de quatre communes de la ville. C'est principalement à Matongé, Tamende, Macampagne et Kanzouli, cité belge, a constaté la presse locale. Au quartier Kanzouli, la police nationale congolaise a recouru au tir de sommation pour disperser quelques manifestants qui tentaient de bloquer la route Beni-Mangina. Les secteurs éducatifs est aussi affecté. Des élèves ont dû être renvoyés à domicile. Leur chef scolaire craignait d'éventuels heurts entre les manifestants et les services de sécurité. Des forces de l'ordre et de sécurité ont été déployées dans certains points chauds de la ville pour empêcher la réorganisation de manifestants qui ont cassé plusieurs vitres des maisons, des commerces sur la rue Mbouti, Matongé, Tamende. Certains groupes de pression ont appelé la population de Beni à observer 2 jours sans activité pour exiger la fin de l'état de siège, mais aussi la libération du militant Fiston Isambiro, du musicien Delka Indengo, du député Alain Siwako et de l'ancien député provincial Jean-Paul Ngayangondi. Et puis le maire de la ville de Goma a fait arrêter de présumés criminels l'opérateur économique Sadiki le samedi 5 octobre devant la presse. Le commissaire supérieur principal Kamande Kapen Faustin a demandé à la population d'être vigilante tout en indexant les motards transporteurs de ces bandits à armes à feu. Ricardo Olinga, notre correspondant depuis Goma, nous explique tout dans ces reportages. Le maire de la ville de Goma a présenté plus de 40 présumés criminels à province du Nord Kivu. Le commissaire supérieur principal, Kamande Kapen Faustin, a appelé la population à la collaboration et à la vigilance face à l'insécurité qui bat son record dans la ville volcanique. Au mois d'avril de cette année, il y a eu meurtre, assassinat de la famille Sadiki, l'opérateur économique du grand pétrolier. Aujourd'hui, nous avons mis la main sur les assassins et co-assassins. Je voudrais que la presse fasse les saint-Thomas. Celui qui a été le meneur de toutes ces opérations pour assassiner les amis que nous déplorons aujourd'hui, les résultats. Aux côtés des biens volés, des stupéfiants et des alcools fortement alcoolisés,
ont été incinérés à la mairie de Goma. La sécurité est devenue monnaie courante dans la province d'Elituri, Luendi, l'un des villages du groupement Bakaeku dans la chefferie de Babila Babombi en territoire de Mombasa, a été la cible d'une nouvelle attaque de rebelles ADF en début du week-end dernier. Plusieurs personnes ont été tuées, nous dit Nancy Kapuba dans cet élément. L'information a été livrée dimanche 6 octobre par Rams Malidigo, activiste des droits de l'homme dans la zone, qui précise que lors de cette attaque meurtrière, 6 civils ont été exécutés, plusieurs autres portés disparus et deux maisons ont été également réduites en cendres. Déplorant la recrudescence de l'insécurité dans cette partie de l'Ituri, cet acteur des droits de l'homme émet le vœu de voir la poursuite de l'ennemi par les forces mutualisées FARDC et IPDF en fait de permettre à la population de regagner ses milliers respectifs et vaguer librement en ses occupations quotidiennes. Après la frappe de ces belligérants à Mitoumé, les groupements Bakaeku subissent ces derniers jours les attaques de ces hommes armés qui continuent à causer des pertes en vie humaine. Ayant pourtant suscité l'espoir, les opérations conjointes entre les forces armées de la République de la RDC, et l'armée ougandaise n'ont pas encore permis d'éradiquer les rebelles ougandais de forces démocratiques alliées, alors que c'est pourtant cela leur premier objectif. Pour l'heure, la population continue de vivre avec la peur en ventre, ne sachant pas à quand viendra une prochaine attaque meurtrière de rebelles. Pendant ces temps, les secrétaires généraux de l'ONU dénoncent de violations graves de droits de l'enfant en RDC dans son dernier rapport sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. Antonio Guterres évoque des cas d'enlèvement et de meurtre. Patricia Mastaki nous signe ce reportage. C'est entre le 20 juin et le 31 août que la MONUSCO et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, ont vérifié 336 violations commises à l'encontre de 285 enfants, dont 203 garçons et 82 filles. Ces violations incluent 127 enlèvements, 66 cas de meurtre et de mutilation, 106 cas de recrutement et d'utilisation d'enfants par des groupes armés, ainsi que 32 cas de violences sexuelles. On parle aussi des 14 groupes armés, principalement le M23 soutenu par le Rwanda, qui sont identifiés comme responsables de la majorité de ces actes. Par ailleurs, des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC sont également mis en cause avec 7 cas de violences sexuelles, 2 meurtres et 2 mutilations signalés. Ces rapports soulignent également les efforts de formation déployés par la composante police de la MONUSCO entre le 8 juillet et le 9 août. Au total, 36 agents de la police nationale congolaise, dont 3 femmes, ont été formés à la sécurité des sites de personnes déplacées avec une attention particulière portée à la lutte contre les violences sexuelles et fondée sur les genres. En outre, ici est de mentionner que 120 agents de police, incluant 34 femmes, ont reçu une formation spécialisée en technique d'enquête judiciaire. Sur ces, la MONUSCO a mis l'accent sur la formation de formateurs pour garantir un transfert efficace de compétences. Antonio Guterres a réaffirmé l'engagement de l'ONU à soutenir la RDC dans la protection des droits de l'enfant et à renforcer les capacités locales pour faire face aux défis sécuritaires. Parlons autre chose à présent. La Cour de compte existe depuis 1987. Ce n'est que ce lundi 7 octobre 2024 qu'elle lance pour la première fois de son histoire la session extraordinaire de son conseil supérieur. Un événement tellement historique que cela a nécessité la présence physique du président de la République, Félix Tshisekedi, au fleuve Congo Hôtel, en présence notamment de plusieurs autorités tant civiles
civique militaire. C'est un compte-rendu de Patrick Nguo et Bakir Bail Loreva. Je déclare ouverte la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour des comptes. C'est historique. Pour une première fois, voilà la Cour des comptes qui ouvre une session extraordinaire de son Conseil supérieur. Il n'a fallu donc que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, ne puisse faire renaître cette juridiction de contrôle de ses cendres pour qu'elle reprenne son fonctionnement normal. C'est notamment pour cette raison que la première partie du discours du président du Conseil supérieur de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, a été remplie des remerciements à l'endroit du magistrat suprême. C'est sous votre règne que la Cour des comptes de la République démocratique du Congo a commencé à marquer de points sur l'échiquier national en organisant sa première audience solennelle de rentrée judiciaire tenue en 2023, ses premières audiences juridictionnelles avec à la clé son tout premier arrêt depuis 1987 et aujourd'hui sa toute première assemblée générale du Conseil supérieur de la Cour des comptes, cet important organe chargé de la gestion de la carrière des magistrats. Puisqu'il s'agit ici d'une session extraordinaire convoquée régulièrement, quatre questions spécifiques seront examinées. 1. Le recrutement des magistrats à la Cour des comptes. 2. La célébration du départ des magistrats mis à la retraite par les ordonnances présidentielles numéro 22/067, 22/068 et 22/069 du 27 juin 2022. 3. La mise à la retraite des magistrats ayant atteint l'âge de la retraite. 4. La promotion des magistrats. Depuis sa prise de fonction, le premier président de la Cour des comptes ne cesse de mener des actions à impact visible, calquées sur la vision du chef de l'État, mais un bémol à relever néanmoins. Comment donc atteindre ce noble idéal avec un effectif actuel de 52 magistrats à la Cour des comptes? Le recrutement des magistrats s'impose donc comme une urgence impérieuse pour le bon fonctionnement de la Cour des comptes. En somme, tous les magistrats ont été appelés au sens élevé du patriotisme pour produire un résultat de qualité à l'issue de ces travaux. La Chambre basse du Parlement continue les processus de son organisation. Au cours d'une plénière le week-end dernier, il était question de présenter les groupes parlementaires constitués conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ruth Kalangi et Bakir Bail Loreva, témoins d'un événement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a fait savoir à la plénière que grâce à l'arbitrage du bureau, un consensus a été trouvé en mettant d'accord à 80% tous les groupes parlementaires sur la composition des bureaux des différentes commissions permanentes. Le rapporteur Jacques Ndjoli a donné l'économie du tableau des répartitions des postes faits sur base de 21 groupes parlementaires venant de chaque famille politique. Ainsi, le consensus obtenu donne successivement aux groupes parlementaires. UDP Tshisekedi obtient 3 postes de présidence des commissions permanentes, dont la commission PAJ, la commission défense et sécurité, la commission genre et famille, ainsi que la présidence du comité des sages. À cela s'ajoute la présidence de la commission ECOFIN qui est attribuée au regroupement UDPS-DA-TDC. Les autres groupes parlementaires qui ont bénéficié d'un poste de président de commission permanente sont AAUNC pour la commission environnement, la dynamique agissant pour la commission socioculturelle, l'AFDCA pour la commission relations extérieures, et le MLC pour l'aménagement du territoire, l'AAAP code pour la commission suivi et évaluation et ensemble pour la commission droits de l'homme. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a insisté sur le profil des députés qui seront envoyés à la tête de chaque commission. Il a recommandé que, dans la formation des bureaux des commissions, que les groupes parlementaires profitent de l'expérience des éminents économistes, financiers, juristes,
ingénieur, ministre, membre de la plénière, sans négliger l'audace et la créativité de la jeunesse. Il faut noter qu'à part la répartition des responsabilités au niveau des bureaux des commissions permanentes, un travail de rééquilibrage est encore à faire quant à la composition de chaque commission permanente pour atteindre un minimum de 40 députés par commission. Le président de l'Assemblée nationale a laissé ce travail être finalisé en interne durant tous les week-ends avec le concours des présidents des différentes commissions afin de permettre que la plénière du lundi 7 octobre puisse enfin s'attaquer aux matières essentielles de cette session budgétaire. Rappelons qu'avant de passer à l'ordre du jour, le président de l'Assemblée nationale a déploré les drames humains causés par les naufrages dans le Maïndombé et sur les lacs Kivu, ainsi que par un accident de circulation routière sur la nationale numéro 1. Il a rendu aussi hommage au basketteur Mutombo Dikembe pour son engagement à servir les causes de ses compatriotes congolais lorsqu'il était en vie. Doudou Famba Likunde Libotayi se montre très déterminé à moderniser la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en RDC. C'est dans ce cadre qu'il a réussi à faire adopter 4 projets allant dans ce sens au cours de la réunion du Conseil de ministres précédente. 3 autres projets présentés par le ministre de Finances dans la même séance de travail ont également été adoptés. Sarah Mangonda revient ici sur quelques détails liés à ces textes. Les réformes portent essentiellement sur les renforcements du règlement général du compte public, la création et les fonctionnements du compte unique du Trésor, la redynamisation de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la mise en place des procédures standardisées d'encaissement et des comptabilisations des recettes publiques. Ces réformes ont pour but de garantir une gestion rigoureuse des ressources de l'État, renforcer la transparence et réduire les pratiques financières illicites dénoncées par le peuple congolais. La traçabilité des opérations financières sera améliorée, offrant des garanties contre les dérives comptables et budgétaires, soulignent les comptes rendus du Conseil de ministres. Il y a lieu de souligner que ces mesures s'inscrivent dans la volonté de renforcer la bonne gouvernance financière conformément aux orientations du chef de l'État et visent à garantir une gestion comptable et cela marque une étape clé pour la RDC vers la transparence, la responsabilité et le progrès. Ces réformes s'inscrivent dans la vision portée par le ministre des Finances dans son ouvrage publié chez Larcier aux éditions Bailan intitulé « La réforme des finances publiques et l'administration RDC, enjeu d'un État moderne et performant ». Changeons de registre à présent, il peut maintenant engager la Direction générale de recettes de Kinshasa, Bitalo Monko Bonkai, et dit a pris officiellement les bâtons de commandement dans une cérémonie de remise et reprise le vendredi dernier au siège même de la DGRK. Ses deux autres adjoints ont aussi pris fonction lors de la même cérémonie. Les explications, c'est Cédric Bachala et Géraldine Goma qui nous les donnent. Cette cérémonie dirigée par le secrétaire exécutif Lou Bakalo Eli s'est déroulée en présence des membres du cabinet du ministère provincial de finances et économie, de membres du comité de direction de la DGRK ainsi que quelques cadres et agents de cette régie provinciale financière. On va commencer par un petit mot de ma part. On va lire l'arrêté de nomination, le procès verbal, la signature du procès, les chambres des signataires, mot du directeur AI sortant, mot du directeur général entrant, et ensuite mot. Du représentant de Madame la ministre, Franchet. Ensuite, nous allons installer le DG entrant dans son bureau.
À cet effet, les DG intérimaires Kakala Baongele Rudy, dans ce mot, a sollicité du gouvernement provincial un accompagnement à la nouvelle équipe dirigeante de la DJARCA pour bien mener la mission qui leur est confiée avant de révéler quelques stratégies de travail au nouveau directeur général de la DJARCA. Nous aurons échangé techniquement avec la DJARCA pour plusieurs aspects. Nous avons des services publics provinciaux chargés de la collecte de recettes urbaines. Donc, il y a beaucoup de choses à se dire. Mais sinon, premièrement, au nom de tous les personnels de la DJARCA, ici représentés par le directeur et chef de division, nous pouvons que féliciter la nouvelle équipe, mais aussi son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Kinshasa, pour les choix portés sur les trois animateurs que nous connaissons depuis longtemps. Le DG Idi Bitalo. Donc, c'est un aîné dans ce domaine de finances publiques et de fiscalité et parafiscalité. C'est déjà une personnalité connue dans le domaine. Donc, pour dire que c'est un technicien, nous n'hésitons pas à croire qu'il va bien mener cette lourde responsabilité de mobilisation des recettes urbaines, également ses adjoints que nous connaissons ici depuis longtemps. Nous avons beaucoup d'administration ici. Il a déjà travaillé avec le DG Atabongo parce qu'il est ici fiscaliste. Et nous avons également le DG Titi Mukesi qui est avec nous ici à DJARCA. Donc ce sont trois animateurs que nous pensons ils vont rélever et redorer l'image de la DJARCA. Cela, il faut transmettre à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, le choix qu'il a porté. Nous le félicitons au nom de tous les personnels. Il y a déjà pas. S'il y a peut-être un petit conseil à publier maintenant, dès que nous aurons des échanges plus élaborés entre les équipes entrantes et les équipes sortantes. Monsieur le DG Bitalo, vous tenez une régie, un service provincial de la ville de Kinshasa, qui est dans un état, je ne dirais pas chaotique, mais l'état est critique. Donc, il faudrait mettre en place un plan de redressement, mais aussi de relance. Pour sa part, le directeur général entrant, Bitalo, a remercié le gouverneur Daniel Bumba pour le choix porté à sa modeste personne. Cet expert en fiscalité sollicite en outre l'accompagnement de tous pour redresser la pente de cette régie financière de la capitale. Il a promis la mise en place d'un plan d'urgence de redressement de la DJARCA dans les prochains jours, tel que sollicité par le DG intérimaire. Je voudrais également remercier particulièrement son Excellence Monsieur le Gouverneur qui a placé sa confiance en ma modeste personne ainsi que à mes deux collègues qui nous accompagnent. Depuis quelques jours, le tableau qu'on nous dresse de la DJARCA n'est pas très reluisant à l'instar de ce que objectivement, Monsieur le DG a idée de bosser. Et les applaudissements de votre part attestent qu'il n'est pas, que le tableau qu'il a dressé n'est pas faux. Ce n'est pas le moment de discours. Ce que je peux faire, c'est juste solliciter votre accompagnement, solliciter votre collaboration pour que nous puissions travailler dans l'intérêt de tout le monde. Moi, je suis un fonctionnaire qui a eu à migrer auprès de plusieurs services. Et que donc, je crois que ce qui nous importe, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Retenons que cette nouvelle équipe est composée des experts et chevronnés en fiscalité, notamment les DG Bitalo Mooko Bonkai et Di, qui sera scandé par deux adjoints, à savoir Joseph Kabongo Makassa et Titi Mukendi Tchachala. Parlons aussi de cette mission de service de David Chilumba Mutombo, directeur général de la régie des eaux à Demba, l'un des territoires de la province du Kessaï central. Les samedi derniers, bien que l'objectif était d'améliorer la desserte en eau potable de la population locale, David Chilumba n'a pas pu s'empêcher de visiter un bijou construit à l'initiative de Jean Bonheur Kongolo Pandé, président national du parti politique Alliance des citoyens congolais engagés pour la République. Il s'agit ici de la centrale hydroélectrique de Katusinga. Suivez ce reportage.
Cette centrale est en train de briller de mille feux, impossible de ne pas être attiré par elle, car représentant tout un bonheur pour la population locale de Demba, qui ne va plus souffrir de problèmes d'électricité. Le directeur général de la Régie des Eaux a lui aussi été épaté par cette merveille construite à l'initiative de Jean Bonheur Kongolo Pandé, président national du parti politique Alliance des citoyens congolais engagés pour la République, ACCR et natif de ces territoires. Sur place à Katusenga, David Chilumba, qui a visité cette centrale hydroélectrique dont les travaux de finition sont en cours, a salué à juste titre les efforts de ces dignes fils du terroir qui ne ménagent aucun effort pour le bien de la population. La centrale hydroélectrique produit déjà de l'électricité grâce à Kongolo Jean Bonheur, initiateur de ces grands projets, et leur a promis une dynamo de plus grande capacité de 500 kW en remplacement de celle de 200 kW, a expliqué l'un des travailleurs de cette centrale hydroélectrique au directeur général de la Régie des Eaux, avant de lui confier que ces travaux vont se dérouler par des déviations de la rivière pour permettre à ce que l'équipe finisse le plus tôt possible. Il est à retenir que la centrale hydroélectrique de Katusenga va alimenter la Régie des Eaux, les hôpitaux, les écoles, les moulins et le ménage de la population du territoire. Point final de la 10e édition de la conférence de femmes leaders apostoliques Confeléa le week-end dernier. Pendant une semaine, les femmes ont passé au pain de fin les thèmes principaux de ces assises pour devenir réellement les femmes d'Alliance. Cette manifestation s'est tenue au quartier général de l'église Plantation de la Gloire de l'Éternel, située dans la commune de Ngiringiri sur l'avenue Bambili. Reportage avec Stéphane Fanny Kibala et Rigen Ayenaka. Les 7 jours passés dans cette conférence de femmes leaders apostoliques n'étaient pas en vain. Les participantes peuvent se dire maintenant fières d'avoir bénéficié des matières extrêmement bénéfiques pour leur apostolat. On se rappelle par exemple des recommandations de l'hôte de cette 10e édition, Lili Lajoangalula, telles que rapportées ici lors de la restitution. À la femme d'Alliance de faire confiance à celui qui l'a appelé et établi, quels que soient les combats et résistances. À l'État et à la société congolaise de former et de soutenir toutes les femmes d'Alliance qui se battent dans l'œuvre de Dieu ou dans un autre domaine séculier, politique, économique, technologique, etc., etc. À l'Église Corps du Christ de valoriser et de booster les femmes d'Alliance qui se sont distinguées, qui se battent contre les défis du siècle. Quelle était la joie des participantes qui ont été pleinement édifiées par les riches enseignements qui ont découlé de ces travaux de la Confeléa. Je bénis Dieu et je le remercie pour la réussite de cette 10e édition, qui a vraiment été pour moi une grande réussite et une grande satisfaction, parce que les mamans ont répondu massivement, elles ont été sensibilisées, mobilisées et elles ont participé vraiment comme nous l'avons souhaité. Et le message que nous avions à leur transmettre sur la femme chrétienne en tant que femme d'Alliance est bien passé. En résumé, on voudrait juste dire à une femme qui est chrétienne, qui est entrée en alliance avec Dieu, que cette vie chrétienne n'est pas une marche en ligne droite. Il y a le haut et le bas. Et Dieu qui a mis en nous une semence et qui nous connecte à lui, nous a donné une personnalité et des qualités qui permettront à ce que nous puissions faire face. Il faut dire, sans crainte d'être contredit, que la Confeléa reste le cadre par excellence où une nouvelle génération des femmes servantes des dieux est en train de voir les jours.
Toujours en religion, on va aller maintenant à la communauté des assemblées chrétiennes. Voici l'homme pour parler de la deuxième édition du groupe d'intercession Babouki Bikeko qui s'est tenu le samedi dernier. Pour cette année, le thème retenu est « Brisons tout système satanique familial ». Ruth Kalangi et Bakébaï le rêve. Ici, une série reportage. Dans le cadre de ses programmes religion, le pasteur François Mutombo a tenu à inviter tout croyant à mettre à nu et casser les systèmes sataniques des familles en assistant chaque année à la rencontre du groupe d'intercession Babouki Bikeko. Avant la prédication, le numéro 1 de la communauté des assemblées chrétiennes « Voici l'homme » a présenté différents pasteurs des extensions des CACVH. Juste après, c'est la prédication, les déclarations et la prière proprement dites. Les gens attendaient ce grand jour et aujourd'hui ils ont eu à l'exprimer par leur présence et nous comprenons que JBB doit vraiment reprendre toutes ses activités. Et dans un premier temps, nous allons d'abord commencer à les faire trimestrement et après nous allons voir comment on pourra faire. D'abord commencer par trimestrement et nous verrons à la suite ce qu'on pourra faire. Le thème central parlait des systèmes de famille et qu'on devait attaquer, qu'on devait briser. Car par système de famille, nous voyons une vie de conformité, une vie semblable, une famille où tout le monde est appelé à vivre presque la même vie, le même système, mais avec JBB qui est un mouvement révolutionnaire, JBB qui est une armée spirituelle, nous sommes appelés à détruire, à briser, à dire non à tout ce qui n'est pas favorable pour la vie chrétienne. Les gens qui suivent les enseignements de Voici l'homme, vous savez, ces enseignements, les suivants, ça vous motive, ça vous pousse à quelque chose. C'est comme quand on a suivi Pierre lors de la Pentecôte, les gens se sont demandé, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est-à-dire, après avoir écouté les enseignements, on doit se demander, « Que faire ?» Alors, l'endroit idéal où on doit se retrouver pour appliquer tout ce qu'on a suivi dans les enseignements, c'est JBB. Je crois que c'est le cadre idéal. JBB, là où les gens se retrouvent, quel que soit. Parce que ceux qui suivent Voici l'homme ne sont pas seulement des CAC. Nous sommes suivis par les catholiques, par les musulmans, par les branamistes, par les kimbankistes. Et tout ce monde-là, des fois, se retrouve devant une barrière, ne savent pas comment quitter son église pour venir à la CAC. Les attaques sataniques sont réelles. Le pasteur Mutombo appelle à la prise de conscience pour détruire les attaques démoniaques. C'est la fin de cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci pour votre attention soutenue. On se revoit à la prochaine. Mais avant de nous quitter, place au rappel du titre. Un naufrage sous les eaux du lac Kivu, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur est arrivé sur place à Goma dimanche. Objectif, s'imprégner de la situation. Ouverture de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la Cour de compte ce lundi. C'est une première dans l'histoire de cette juridiction de contrôle. Le chef de l'État était présent. C'est au total sept projets de loi que le ministre de Finances a réussi à faire adopter en Conseil de ministres. Quatre de ces projets concernent la modernisation de la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en RDC. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.